à toutes et bienvenue sur la chaîne La Lili La Tarot. Je suis très ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez passé d'excellentes semaines et que vous passez un très bel été. Nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo où je vais vous transmettre les énergies et les conseils du Tarot de Marseille pour cette période du 23 août au 30 août. Donc j'ai utilisé, comme vous pouvez le voir, le tarot de Marseille. Nous avons une première carte pour les énergies positives, une deuxième carte pour les énergies plus ou moins négatives et ce qui serait déconseillé par le tarot de Marseille. Et au centre, nous avons la lame qui représente le conseil apporté par le tarot de Marseille. Alors si vous souhaitez une consultation en privé, vous pouvez me consulter, vous avez le lien de mon site dans la barre de description et vous avez également le i qui s'affiche. Vous pouvez également accéder au programme complet horoscope 2018 pour chaque signe astrologique et vous avez le lien sous la vidéo dans la barre de description. Je rajouterai plusieurs lames du Golden Universal Tarot pour préciser ces trois lames ainsi qu'une autre lame du Tarot des Anges de Haute Virtu pour vous transmettre un message global. Alors on va commencer par la première lame qui représente les énergies positives et nous avons la roue de fortune que voici. Qui pourrait parler de chance? La chance serait à vos côtés. J'ai cette sensation que de nouvelles opportunités, que ce soit des opportunités professionnelles, financières ou matérielles, pourraient se présenter à vous. Vous devez tourner cette roue en votre faveur. J'ai vraiment cette sensation que certains d'entre vous vont se remettre en mouvement. Les énergies seront très actives. Ça parle également de déplacement. D'autres pourraient envisager un déménagement pour changer d'environnement. Il y a du changement. Il y a de la nouveauté qui se profile pour vous. J'ai vraiment cette sensation que vous pourriez débloquer une situation qui a pu être problématique pour certains d'entre vous, que ce soit une situation professionnelle, amicale, financière ou sentimentale. Il y a du changement dans l'air, donc accrochez-vous car certains d'entre vous pourraient être bousculés par les événements, car ça pourrait parler d'un cycle qui pourrait vous emporter, ça parle du cycle de la vie. Certains d'entre vous pourraient être, comme je vous l'ai dit, bousculés par des événements successifs. Donc, apportez du changement par rapport à votre situation ou par rapport à un aspect de votre vie. Alors, pour les énergies plus ou moins négatives et ceux qui seraient déconseillés par le tarot de Marseille, nous avons la lame, l'impératrice. Vous allez devoir mieux vous exprimer. J'ai vraiment cette sensation que certains d'entre vous vont connaître des difficultés à communiquer avec les autres. Ça pourrait parler de problèmes de communication au niveau professionnel avec votre hiérarchie, ça pourrait parler d'une problématique avec un homme ou avec une femme. J'ai vraiment cette sensation que d'autres pourraient manquer de confiance en eux. Il va falloir travailler sur votre confiance et sur votre estime de soi, car ça pourrait parler de baisse d'estime de soi. Ça pourrait aussi parler de découragement, de baisser les bras par rapport à une situation qui n'avancerait pas comme vous le souhaiteriez. Il est très important de vous faire davantage confiance, de reprendre de l'aplomb et surtout de vous réaliser, car certains d'entre vous ont du mal à se réaliser et ont du mal également à réaliser un projet qui leur tient à cœur. Vous allez devoir diriger votre vie telle que vous l'entendez. Vous allez devoir mettre les points sur les i si une situation manquerait pour vous de clarté. J'ai vraiment cette sensation que vous allez devoir être beaucoup plus communicant et vous allez devoir également vous exprimer de façon positive pour pouvoir transmettre ce que vous désirez et ce que vous souhaitez réaliser. J'ai vraiment cette sensation que certains d'entre vous ont du mal à accepter certains changements ou ont du mal à se réaliser tout simplement. Et au centre, nous avons la lame, le pape, qui parle d'être protégé. J'ai vraiment cette sensation que vos projets seront bénis. Acceptez l'aide de personnages autour de vous qui pourraient vous soutenir. Ici, le tarot de Marseille vous encourage à suivre des conseils qui pourraient vous être donnés par un personnage digne de confiance, par un personnage expérimenté. Et ces conseils seraient très positifs pour vous. Et cela pourrait débloquer une situation qui a pu être difficile pour certains d'entre vous. Ça parle également de trouver un terrain d'entente, ça pourrait parler d'échanges bienveillants, positifs pour trouver un accord.
Ça pourrait parler de réconciliation et le tarot de Marseille vous encourage également à vous réconcilier, à trouver la paix et à retrouver un équilibre émotionnel et matériel. Au sens factuel, ça pourrait parler de signer un contrat professionnel, ça pourrait parler de signer un accord financier. Ici, le tarot de Marseille vous pousse à trouver un terrain d'entente, comme je vous l'ai dit, et à surtout échanger vos points de vue. Ne restez pas campé sur vos positions, écoutez les autres, écoutez-vous davantage, faites-vous davantage confiance, car certains d'entre vous pourraient manquer de confiance en eux, et surtout rétablissez la paix, rétablissez un équilibre et une harmonie intérieure pour pouvoir aller de l'avant et pour surtout débloquer une situation qui a pu être bloquée depuis un certain temps. Alors je vais rajouter une autre lame pour préciser ces trois lames que j'ai tirées pour vous. Donc on va commencer par la roue de fortune. Alors quels sont les messages supplémentaires pour vous ? La roue de fortune. Et nous avons le 7 d'épée que voici. Vous allez devoir protéger ce que vous souhaitez entreprendre et ce que vous avez déjà entrepris. Il va falloir retrouver un équilibre matériel et un équilibre émotionnel. Certains d'entre vous auraient peur de ne pas pouvoir débloquer une situation, de ne pas pouvoir se réaliser ou de réaliser un projet qui leur tient à cœur. Et pourtant, vous avez ces compétences, vous n'êtes pas seul également. Certains d'entre vous pourraient se sentir seuls face à l'adversité. Certains d'entre vous vont devoir surmonter certains obstacles, certains blocages, dû à une certaine jalousie, dû à une certaine hypocrisie également autour de vous. J'ai vraiment cette sensation que vous allez devoir vous focaliser sur votre projet pour pouvoir le faire évoluer et pour pouvoir enfin vous faire reconnaître et vous sentir à votre place. Alors, je vais rajouter une autre lame pour l'impératrice. Et nous avons le 6 d'épée que voici, qui parle bien de s'éloigner d'une situation difficile pour aller de l'avant. Et certains d'entre vous auraient des difficultés justement à s'éloigner de cette situation difficile et à aller de l'avant. Ne restez pas enfermé dans votre négativité ou dans une situation qui pourrait être problématique pour vous. Vous devez rétablir la paix, vous devez vous réconcilier avec cette personne avec qui vous pourriez être en froid durant cette période. Il y a un accord à trouver, il y a une paix à retrouver, comme je vous l'ai dit. Vous allez devoir en discuter, vous allez devoir échanger, vous allez devoir communiquer de façon positive. Car il y a bien pour vous un changement à procéder, à apporter pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir vous tourner vers votre avenir. Ou vers une nouvelle possibilité pour certains d'entre vous. Alors, je rajoute une autre lame pour le pape en conseil. Et nous avons le 7 de coupe que voici, qui vous pousse à prendre une décision, car j'ai vraiment cette sensation que certains d'entre vous vont devoir faire face à une multitude d'options, à une multitude de choix, et vous allez devoir prendre une décision, vous allez devoir faire un choix qui serait pour vous salutaire. Vous devez absolument passer à l'action, échanger, discuter, trouver un terrain d'entente, prendre une décision, bien peser le pour et le contre au préalable. J'ai vraiment cette sensation qu'il y aurait, pour certains d'entre vous, de façon factuelle, la signature d'un nouveau contrat ou d'un accord qui pourrait vous permettre de débloquer une situation. Donc il y a des possibilités pour vous, il y a de nouvelles occasions, vous allez devoir faire le bon choix et vous saurez faire le bon choix. Alors, je vais rajouter une autre lame du tarot des anges de Dorine Virtu pour vous transmettre un message supplémentaire. Alors, quel est le message des anges pour vous ?
Et nous avons, waouh, la roue, une nouvelle fois la roue de fortune. Vous l'aviez en énergie positive, la roue de fortune qui représente ces énergies positives, et vous l'avez de nouveau en conseil par le tarot des anges de Dorine Virtue. Je vous lis le message de la carte. Une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Tout est dit sur cette lame. Il y aura bien de nouvelles occasions, de nouvelles opportunités, que ce soit de nouvelles opportunités professionnelles, sentimentales, amicales ou financières. Ça part de cette roue qui pourrait tourner à votre avantage. Vous allez devoir tourner cette roue. Vous allez devoir agir pour pouvoir débloquer une situation qui a pu être difficile et qui a pu vous empêcher d'avancer, d'aller de l'avant, de vous remettre en mouvement. Il y aura bien un dénouement positif par rapport à une situation qui a pu être difficile pour certains d'entre vous. J'ai cette sensation que vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau, que vous allez pouvoir vous éloigner d'une situation ou d'une problématique avec une personne en particulier, ou avec une situation qui serait très difficile et qui pourrait vous perturber. J'ai vraiment cette sensation qu'une réconciliation est dans l'air. Vous allez pouvoir retrouver une sérénité, une paix intérieure. Ça parle d'échange, de communication pour trouver un terrain d'entente, pour retrouver un équilibre émotionnel. Vous avez de multitudes de possibilités, de multitudes d'options qui s'offrent à vous et vous allez devoir prendre une décision, faire un choix qui serait pour vous salutaire. Vous ne manquez pas de possibilités pour vous réaliser. Donc ne doutez pas de vous, vous avez ces capacités pour entreprendre, pour réaliser votre projet qui vous tient à cœur. La chance sera à vos côtés, elle va vous sourire, il y aura bien une période de transformation positive qui se profile à l'horizon. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura aidé et vous aidera durant cette période. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!